Et je discutais avec une amie là et on analysait quelque chose de très très intéressant, très vrai. C'est que mais chacun en fait, vous savez, on parle d'une réalisation spirituelle, non-duelle, reconnaissance du soi, voilà, et puis après, du coup, il y a un changement. Des changements dans notre vie. Avant, je me comportais comme ça, maintenant, je me comporte comme ça, tu vois. Avant ceci, maintenant cela. Et c'est drôle parce que, en fait, chaque comportement, enfin, il peut y avoir n'importe quelle réalisation de n'importe quoi, n'importe quand, c'est juste la vie. C'est pas le grand éveil spirituel. C'est juste que, je sais pas, un jour on n'importe quoi. Ah bah tiens, ça fait 15 ans que je mange trop, et puis là je me dis, bah non, en fait, non, j'ai pas besoin de manger tout ça. Mais c'est pour ça que je me sens mal, c'est pour ça que je dors mal, c'est pour ça que j'ai 15, 20, 50 kilos en trop. C'est pour ça que. Et puis, ah bah je fais plus. Et on met quelque chose en place. On fait plus de sport. Tiens, je suis pas en bonne santé, mais bon, en même temps. Je fume, je bois, je sais pas, enfin n'importe quoi. Et puis hop, on arrête, on met des choses en place, des réalisations. Et c'est pas juste je fais l'effort, parce que tu comprends, pour moi, c'est je fais l'effort. Non, non, c'est vraiment une. Ah bah ouais. Et puis oui, quelque part, on prend ses responsabilités. Bah oui. Ben, c'est des réalisations. Et donc, les gens vont parler de réalisations, de l'éveil, de machin, de. Il y en a plein qui partagent en ce moment, plein, 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 plein. Les nouveaux, là. Vous êtes drôles. Parce que vous avez trouvé quelque chose, vous savez quelque chose. Vous n'avez pas encore fait le tour complet, les gars. Parce que le tour complet, il est simple, en fait. Il n'y a que la vie. Il n'y a rien qui tombe. Il n'y a pas de moi qui tombe et avec tous mes. Il n'y a pas de moi qui change. Il n'y a pas de moi qui réalise enfin que je suis éveillé, que je. Maintenant, j'ai la vie que je veux. Maintenant, je n'ai plus d'anxiété. Maintenant, je n'ai plus de. Non, non, non. Tout reste. Tout. C'est pas que tout reste. Parce que justement, comment dire. Quand on est quelqu'un, on vit une continuité. Je suis. Je mange trop. Je ne fais pas assez d'exercice. Et il faut que je fasse ça et ça et ça. Et je suis un papa. Et je suis une maman. Et je suis. Je suis une bonne personne. Et en fait. Cette continuité qui tombe. Mais même ça, c'est. Enfin, il y a juste la vie. Et donc, peu importe ce que. Oh, je sais même plus ce que j'allais dire, tellement c'est important, tellement c'est des conneries, quoi. Je sais même pas pourquoi je prends le téléphone. Si, j'avais envie de faire une vidéo, j'avais envie de parler un petit peu, c'est tout. C'est juste la vie. Ça se fait tout seul. C'est vraiment, c'est ça, quoi. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que cette continuité qui s'arrête parce que je suis anxieux, je suis stressé, je ne dors pas, je suis une. Ou je fais ceci, j'ai des tocs, je suis malade, je fais mal les choses. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Vous les connaissez, vos histoires. Je n'ai pas besoin de vous le dire, parce que vous les connaissez, vos histoires. Tu vois, tu vois. On va se tutoyer. Hein. C'est vrai que je te tutoie d'habitude. Tu les connais, tes histoires. Tu vois, t'as pas besoin de. Enfin, j'ai pas besoin de te les raconter. Tu vois, tu sais c'est quoi. Et en fait, bah, ça continue. Mais ça continue pas dans le sens, c'est encore là tout le temps et je me réveille avec ça. Non, c'est que n'importe quoi peut se passer. Exemple, l'anxiété. Oui, il peut y avoir quelque chose, mais on s'y accroche plus. Il n'y a plus d'accroche. Et donc, c'est pas grave.
Et c'est ça, en fait, la réalisation, bordel. La vie, c'est juste la vie. Donc, c'est ça, faire un tour complet. Un tour complet, c'est qu'il y a juste ce qui se passe comme ça se passe et qu'il n'y a rien qui tombe. Et c'est ça, ta plus grande peur, c'est que rien ne change. Parce que tu cherches. Qu'absolument, quelque chose change. J'ai cherché tellement longtemps, c'est tellement longtemps. Et parfois ça revenait, même quand je commençais à partager des vidéos, il y a un truc qui revenait parfois, tu vois, je sais pas comment dire. Oh, zut! Et en fait, c'est cette idée que quelque chose revienne, mais non. Enfin, c'est juste la vie qui se passe. Tiens, bah oui, je suis encore, je ressens l'anxiété, oui. Et donc, ça m'arrive. Ça m'arrive de mal dormir. Ça m'arrive d'être en colère. Ça m'arrive d'être en joie. C'est ça la joie, c'est que tout peut arriver. La réalisation, c'est pas j'ai réalisé quelque chose et maintenant j'ai changé, maintenant j'ai compris. Et donc, tous les nouveaux réalisés là qui partagent, mais continuez en fait, c'est génial. C'est que vous avez besoin de ça peut-être sûrement. Et ceux qui vous écoutent également. Et c'est magnifique. Et donc, votre partage ne doit pas changer non plus. Et ceux qui les écoutent non plus, c'est juste que ça va se transformer automatiquement, puisque tout se transforme automatiquement. Et donc, c'est pas qu'il y ait un but et que ça va se transformer automatiquement et enfin, il y aura la réalisation finale. Non, c'est que ce qui tombe, c'est qu'il y a besoin d'une réalisation finale. Cette réalisation, c'est là, maintenant, tout de suite. C'est la vie. Et en fait, t'es prêt à entendre ça. Si tu m'as écouté jusque-là, c'est que t'es prêt à entendre ça, c'est que tu entends ça. C'est même pas que t'es prêt, c'est que tu entends ça. C'est pas possible de pas l'entendre, tu vois. C'est ce que je dis il y a tellement longtemps déjà, de 2 ans. C'est entendu, mais oui, bien sûr que c'est entendu. Tu peux pas ne pas l'entendre, tu peux pas... T'as beau te dire c'est autre chose, t'as beau te dire... Mais non, c'est... Tu es prêt. Tu es réalisé. Tu as réalisé que tu es réalisé. C'est tout. C'est tout, c'est tout et... C'est tout ce que j'avais à dire, j'imagine. Mais c'était pas important, tu vois, parce que tout ça, c'est juste la vie. Je suis juste un mec avec des longs cheveux et des lunettes et je fais des vidéos sur YouTube et je te remercie d'écouter, de passer du temps avec moi, c'est trop cool, vraiment. Tu vois? Et si là, t'as la sensation de réaliser quelque chose, bam. C'est ce qui se passe, c'est une réalisation, ça fait partie de la vie, tu comprends. Il n'y a même pas de boucle qui se boucle. Il n'y a juste la vie qui s'écoule, même pas qui s'écoule, qui y est. Et elle ne t'appartient pas. Donc ce n'est pas ta réalisation, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ton éveil, c'est juste ce qui est. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Max Verham. Viens me parler en one-to-one et en groupe. Tous les mercredis, c'est gratuit. Et le one-to-one, c'est payant. Ouais, c'est mon bise. Et ça change ta vie. Parce que t'arrêtes de voir la changer. Parle-moi, ça suffit. Je t'embrasse. Merci beaucoup.